Plus ou moins. Je sais pas si ce truc-là il vaut vraiment la peine un jour. Parce que Swissman, c'est ça. C'est la seule flashine que le druide a. Et ça pue, quoi. C'est pas ouf. C'est carrément pas ouf. Alors, est-ce qu'on va galérer ou pas avec ce fou? C'est la question à 28 000 $. C'est est-ce que ce groupe va puer ses mains ou pas? Déjà, ils ont BL au pool. Je suis pas convaincu de la chose. Trop tard. Je tape des flourish beaucoup trop tard, y a pas de problème. Trop tard, pour ça. Bon timing pour le coup. J'ai rentabilisé ma tranquille. Elle est encore en vie, elle, quoi. Les mecs, ils ont une priorité dans leur vie, c'est... C'est de faire chier les heals. J'aurais dû reste le voir, moi. 1 minute 33 avant le prochain raise. J'espère qu'ils ont un cerveau et qu'ils vont tout mettre sur le DK. Ça, c'est chiant. Ça va être immonde. Ça wipe pas, je pense que c'est wipe. Ah, je suis dans le groupe de tout à l'heure là. J'ai même pas fait gaffe. Nasher, je le connais. Oui. Bah oui, je le connais. Le groupe que j'ai livré comme un gros connard. Je suis pas prêt de nous. Enfin, il fait des poules de merde, mais. Fais-moi rire, j'étais à combien là? Seulement 70. Putain, mais.
le niveau de ying qu'il faut avoir en druide pour scorer en FPS, quoi, c'est... c'est monstrueux. Je suis beaucoup plus haut qu'un des sacrés. Et je suis à... Lui, il est en violet, moi, je suis en bleu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça qui est sympa. C'est quand t'arrives à ranker avec le druide, c'est que t'as fait un putain de taf, quoi. C'est... Trop tôt. Trop tôt. Oh, trop tôt. Non, c'est bon. Enfin, si, c'est un peu tôt. Elle est pas morte cette pute quoi, mais réveillez-vous, sérieusement. On a 20 000 range et la putain de dominatrice qui reste en vie pendant 10 ans. 4, 3, 2, 1. MDR, des gens qui essaient de... Le meilleur timing. Sérieusement, qu'est-ce qu'il fout le pal, quoi? Bonjour, sors-toi les doigts et heal. T'as une personne à heal. T'as une personne à heal dans ta life, faut pas qu'elle meure, quoi. C'est ton job. Non. C'est dégueulasse. Surtout qu'il est pas complètement pur le Nashor. Quand j'étais là tout à l'heure, avec le priest, j'ai aucun problème pour survivre. Donc c'est pas que lui il est puant, c'est que les autres sont puants. Au bout d'un moment. Petit 72. Ça va, c'est pas. 95 en dips, qu'est-ce qu'il y a? Petite perf sur le... Correct. Après un dips sur Zul, je suis toujours au même niveau. 816.
excusez-moi. Une guerre 310. J'ai déjà. Le problème de ce boss en PU, c'est que les gens ils ont tendance à se stack au mauvais moment. Tire tout, tirez fou, sérieusement, t'as pas besoin de reculer, t'étais bien où t'étais, sérieux. C'est qu'au moment où Mithrax se repack, enfin il va au milieu, il fait une grosse explosion. Et il faut pas être packé à ce moment-là. Et ce que beaucoup de gens ont pas l'air de comprendre, c'est que. C'est le fait de pas être paqué. Ils aiment bien être paqués, les gens. Oui, genre là, quoi. Le mec, lui, il avait. Il a annihilé sur sa putain de dieu. Tire-toi. Lol. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment ça se fait qu'on se fait annihiler comme ça? Autant de morts, c'est... Quel moment ce genre de truc arrive? Il a pris la bite. T'as un gigantesque connard qui se retourne vers toi quoi et qui casse son rayon pendant. Même quand le rayon est parti, t'as 2-3 secondes pour sortir avant de prendre des vrais dégâts. Et le mec reste dedans full temps. Je sais pourquoi. Peu probable qu'on finisse. Enfin, que ce trail là soit pas en wipe. Le mec il reste à côté de moi. Mais t'es un connard! C'est déjà, j'ai un con qui reste à côté de moi et en plus, je me prends le truc sur la gueule. Donc je me suis pris ses dégâts à lui. Je me suis pris ses dégâts à lui. Plus les dégâts de... Plus les stacks en plus d'annihilation sur ma tête, quoi. Nique ta mère, la boss. Beware. 3, 2, 1.
Monsieur, regarde le mec, il traverse. Oh non, mais la logique des gens. J'ai un debuff qui pète vite sur ma tête. Et si je traversais le monde entier pour aller le déposer? Lol. J'ai même deux stacks sur ma bouche par contre, quand je sais le faire. Une grande difficulté de... La grande difficulté de Mythrax en PU, c'est les mecs, enfin même pas que en PU d'ailleurs, c'est tous les niveaux, c'est que les mecs ils savent pas quand est-ce qu'il faut se déstack. Enfin, quand est-ce que se déstack devient une bonne idée quand... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont tendance à pomper tout ce qu'ils peuvent, mais bon, enfin, tendance à garder les, soit garder les debuffs en disant, soit des stacks alors qu'ils ont 8 stacks sur la tête, quoi. Et ça, c'est mort. Je ne mets la chaîne avec toi, moi. Ah putain. Et j'ai un commentaire sur YouTube. Faut que j'aille voir ça. Un nouvel abo. OMG. Pourquoi c'est mis sur pause? On me dit que c'est mis sur pause. Je sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il a posté ça? Lictaras à Vanadiel. To love.
faire une petite réponse tout à l'heure à lui. Il mérite. Un commentaire constructif sur YouTube. What the fuck? Dans quel monde mon fils? Oh merde. Cette guilde quand même. Quelques relous, mais la majorité des cadres, putain. C'est détente, ouais. Mais détente, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on fait des trucs. Red NMHM avec le monk ce soir. Je vais me faire retourner le cul. Oh, putain. Putain. Donc. Jump. Oh. Ah, ça pas marche. Mon petit tricks. Mon petit tricks des familles. Nay, nay, nay. Des heals de ma guilde qui top tous le HPS à là où il faut que je fasse la majeure partie. Parce que les deux sacrés là ils sont à fond de balle, mais j'ai pas l'impression que ça remonte en fait. C'est ça qui est terrible. Il y a l'air d'avoir un niveau quand même, hein, mais. Cette boule qui pop à ce moment-là, quoi! Depuis quand ça pop là, cette merde? Non! Je refuse! Enculé de jeu, t'es mort! Ah, je suis dégoûté, ma tranquille! Ah, merde, quoi! Putain! La con, t'es mort! Ma tranquille qui me. Je peux la mettre dans le cul, là, tranquille. Oh merde, quoi. Ça fait chier. Casse-toi.
c'est la troisième que je me prends sur la gueule. Hein. Ça va me faire rager. J'ai une espèce de merde, c'est terrible. Beware. M'approchez pas. Voilà, j'ai réussi à top tout le monde avant là. Avant que ça touche, voilà. Normalement là il tombe. Enfin s'il tombe pas là je comprends pas hein, parce qu'on est en... C'est la deuxième P2. Deuxième transit donc je vois pas pourquoi ça ne peut pas tomber, merci. Ben. Pim. Allez, on clean les visions. C'est juste des bims, quoi. C'est un miracle. Et après, qui se rappelle qu'ils ont des bims. Ça existe encore. Ce genre de prêtre qui use leur bim de prêtre. De druide et kiff. Rien à voir, non, rien à voir. Non. Définitivement. Y'a rien à voir. Circulé. Enfin bon, là je fais une perf de merde et c'est à ce moment-là qu'on passe hein, après, j'ai envie de dire. Vous le faites exprès. Vous faites exprès de bien jouer quand moi je joue mal. Voilà. Allez, un trinket s'il vous plaît. De la merde. Nique pince. Nique bien pince. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Warforge 380. Enculé, hein. Bon. On m'a amené là. Un Ferrigo Rocher. C'est qualitatif, je vous raconte pas. Je vais me muter, sinon ça va être dégueulasse.